Les codes ne se trompent jamais, c'est le football qui les contredit. Salut à tous, bienvenue dans un nouveau numéro du WFC. Je suis très heureux, je suis très content d'être avec vous. On est là, on est ensemble, on est bien. Il y a la caméra qui devait partir comme ça, il va revenir, elle n'est pas partie finalement. Voilà. On est ensemble, on est bien, on est content d'être avec vous. On est jeudi et on va faire la bascule, la transition entre la fin de cette trêve internationale et le retour de la période de club. Et là, c'est le retour pour une période plutôt sympathique. Il va y avoir un joli week-end de foot, il va y avoir une belle semaine et puis on va aller vers la Ligue des Champions, ça va être bien. Mais on reste encore un petit peu avec les sélections là. On reste un petit peu parce qu'il y a des sélections, on va parler beaucoup de l'équipe de France, il y a des sélections qui sont sympas à débriefer. Najim Medini, bonjour. Salut Romain, salut Walid, salut Winami, très content d'être là. On va parler de l'Angleterre, on va parler du Brésil. Et puis tu l'as dit, on rentre un peu dans le sprint final avec le grand Manchester City Arsenal dimanche, la Ligue des Champions qui va bientôt arriver. C'est maintenant que ça joue. Hein. C'est là, sur les deux prochains mois, là, c'est maintenant que ça joue. Tu sais que j'ai failli exiger ce que tu fasses des présentations en anglais. Parce que quand tu es là, souvent, on parle de... Bah, pourquoi pas, on va essayer de travailler notre anglais de cette manière-là. Ça peut être une bonne méthode. Ouais, ça peut être bien. Ça peut être bien. Merci en tout cas pour cette initiative. Walid Acherchour, bonjour. Salut Romain, salut Najim, salut les Winami, Walid Acherchour. Une de plus, j'espère que tout le monde va bien. Je te trouve très beau. T'as un peu hésité quand même sur mon prénom, ça m'a un petit peu déstabilisé. En fait, le gros problème, c'est que je fais tellement d'émissions en ce moment qu'il y a beaucoup de personnes. Ça fait 25 ans que je le connais, il m'appelle Thomas maintenant. Il y a beaucoup de personnes et il faut que je me fasse le. Tu vois, j'avais pas préparé mon intro avant. D'accord. Tu prépares les intros? Non, pas la préparer, mais dans ma tête, de me dire qu'est-ce que je vais... Ah, de dire qu'est-ce que je vais dire maintenant. Qui est en face de moi, quoi. Parce que le cerveau est en train de se rallumer, j'ai l'unité centrale qui se rallume tranquillement, tu vois. Ah, d'accord. Mais je voulais te dire que déjà, je connais pas ton prénom, mais en tout cas, Tu es très beau. T'es très beau aujourd'hui. Ah, merci beaucoup. Tu ressembles à une petite smart. Merci, ça me touche. Et vraiment, t'es ce petit côté gris-noir, mais petit modèle. Exactement. Ce que je veux dire, petit corps, qui doit se garer dans beaucoup de... Dans beaucoup de places. Exactement. Qui est très mobile, qui est très furtif, dynamique. Plutôt facilement. Je pense merci que tu ne dois pas avoir beaucoup de soucis à te garer, toi. Non. Très, très rapidement. voilà, je voulais te dire. Et puis j'espère que tout le monde va bien. Voilà, c'est le jour le plus éclaté de la semaine. Parce qu'il n'y a rien du tout. Je viens de faire deux jeux de suite. Voilà, je peux t'assurer que. On est à cheval sur ce qui s'est passé, sur ce qui va se passer. Mais voilà, on est là, on va discuter, on va faire le boulot et puis il y a plein de choses à dire. Moi, je suis très content d'être là. Il y a plein de choses à dire. Mais moi aussi, je suis très très content d'être là. Moi ça fait plusieurs jours que là j'ai fait des émissions pendant la trêve que je dis à Sofiane Thomas, il faudrait parler des autres nations, il faudrait parler c'est vrai. L'Angleterre, le Brésil, l'Espagne, tout ça. Même si j'aurais fait un bilan de ce rassemblement, un espèce de baromètre parce que ce rassemblement m'a remis dans mon euro moi. Bah c'est bien, mais après, tu vois, du 1er juin au 15 juin où il y a le début de l'Euro, t'as 15 jours pour faire ça. Ouais, mais j'aurais bien aimé le faire, tu vois, et le refaire. Oui. Moi, j'ai eu du mal quand même à me détacher un peu du foot de club. Ah ouais? Ouais, mon esprit était encore un peu quand même dans le foot. Ouais, parce que toi, t'es un bousillé d'Arsenal et t'es comme un dingue là depuis. C'est bon, on a compris, il y a un petit Arsenal, il y a écrit partout, tu l'as tatoué, etc. mais l'idée, c'est que je ne sais pas si c'est l'effet nouveau maillot, les tenues, ça, les affiches, etc. Mais il y a une espèce de truc. Et puis même, je me suis refait les poules, là. Parce que moi, le tirage au sort, tu sais qu'on était au Red Star quand on avait fait le tirage au sort. Le tirage au sort, on était passé à côté. On était complètement passé à côté, etc. Et tu sais, il y avait un peu c'était tirage au sort à trous, là. Il y avait encore des places un peu libres. Exactement. Là, on a tout l'intégral. Et ça me plaît. Je pensais que c'était plus écœurant que ça, moi, l'Euro à 24. Non, c'est pas mal, là. Enfin, sur les derniers, c'était écœurant. Mais je trouve qu'il y a quand même des poules. Ça a été écœurant, je pense. Hein. Non, mais il y a des poules plutôt homogènes. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que même notre poule à nous, attention. Ouais, non, mais nous, et puis l'Angleterre, on va y venir. Ouais. L'Angleterre aussi. Autriche, Pologne, Pays-Bas. Autriche, Pologne, Pays-Bas. Tu commences avec l'Autriche, là. Apparemment, ils sont pas mal. Ils ont gagné 6-1, je crois. 6-1 contre la Turquie. Ouais. Avec des joueurs qui sont en forme, apparemment, là, les Grigoric devant. Schlager, Sabitzer, Kevin Danso derrière. C'est vraiment quand même. Le gardien de Salzbourg. Seywald aussi, le mec de Leipzig, je crois. Ouais. Donc, normalement, ça ne devrait pas nous faire peur, mais
Mais apparemment, collectivement, c'est une équipe qui joue très bien. L'avantage, c'est qu'il y a 4 équipes par groupe et qu'il y a 4 qualifiés par groupe. Donc, bah, vous savez que. Ah oui, tu mets un but, t'es qualifié. Ouais, ah, là, exactement. But, normalement, ça devrait être bon. Moi, c'est ce qui je l'avais déjà dit sur la CAN, mais moi, c'est ce qui me dégoûte un peu sur le format 24. Tu peux perdre 4-0 un troisième match qui est décisif et être qualifié quand même pour les 8e. C'est ça. Et parce que ça te dégoûte, le format 24, c'est ce que j'ai vu avec Sofiane sur les plannings. Toi pendant l'euro, pas grave, on aura été fidèle à nos valeurs, à nos principes. Tu seras tellement dégoûté. Après, ça a aussi des avantages, le format 24. Voilà, ça nous donne notamment une troisième journée beaucoup plus, beaucoup plus palpitante. On demande s'il y a toujours les meilleurs troisièmes. Alors, en enlevant la blague, etc. Il y a 8 poules et il y a 6 des troisièmes, 6 meilleurs troisièmes sur les 8 qui sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Ouais, c'est ça. Ça augmente quand même largement tes chances de pouvoir te... Exactement. Bon, après, ça n'a pas empêché l'Algérie et la Tunisie, par exemple, de sortir en groupe sur la dernière CAN. Mais, bon, je préfère quand même... Il y a 6 poules et il y en a 4 sur les 6. Je crois que c'est ça. 6 poules, 4 sur les 6. 4 sur les 6, c'est ça, ouais. C'est exactement le même format qu'à la CAN, hein, c'est ça, hein. Oui, c'est pareil. Oui, voilà. C'est pareil. Donc, bon, on verra bien comment ça va se dérouler. Une grande pensée pour Tidiani qui se remet de... Alors, je n'ai pas encore revu le quiz, mais on m'a vendu une triche de Tidiani. Ah bon ? Non, c'est pas une triche. C'est que moi, je pense sincèrement... Entre le comportement... Attendez, j'ai pas vu. J'ai... Ouais, non, vous verrez, mais entre le comportement de Tidiani sur la première partie du quiz, c'est-à-dire dans les revendications, dans le body language, même dans le ton... Dans le ton, et derrière, sur la deuxième partie du quiz, c'est-à-dire la triche continue, mais une triche qui ne s'est jamais arrêtée, pour essayer de contrer le monstre... Le monstre. Ouais, il était fort. Voilà, après, je veux pas. Non, on va pas spoiler, mais je dis juste que je n'ai jamais vu une telle performance aussi honteuse. Moi, à un moment donné, j'ai regardé Thomas et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait encore sur le plateau? Ah oui, d'accord, on en est là. Ah non, mais normalement, c'est rouge. Choqué. C'est rouge à la 30e. Et c'est à un moment donné, c'est. Mais vraiment. Ah, après, on nous dit, Elton, j'ai vu la comps d'Elton qui était plutôt pas mal. Ouais. Qui était plutôt pas mal. Mais je dois quand même dire que Thomas nous a envoyé un message le matin. En nous disant, Elton va défoncer ce quiz. Ouais, c'est vrai qu'il l'a. C'est vrai qu'il y a des. Après, il y avait peut-être des questions. Et puis, je veux bien, par exemple, il y a une réponse qui est très très forte quand il sort le Andrade contre son camp face aux Pays-Bas. Il faut se rappeler qu'il habitait les Pays-Bas à ce moment-là. Ouais. Voilà, après, c'est quand même très très fort. C'est très très fort. Je pense que tous les habitants des Pays-Bas n'ont pas. Ah, moi, je pense que tu peux sortir des. Tu peux sortir des buts de l'équipe contre l'équipe de France dans des. Qui a marqué dans des matchs élimination. Oui, d'accord, ok, très bien, oui, ok, oui, d'accord. Donc c'est plutôt surtout la performance globale. Mais la performance globale est vraiment. Non, c'est Elton, pour une fois qu'il est bon sur un quiz. Non, mais je sais, je me permets juste de mettre un peu de nuance. Il n'est pas tout le temps à ce niveau-là. Là, il était à un niveau d'écœurance qui était assez fort, que j'ai apprécié, moi, en tant que coéquipier. Il y a eu deux styles d'écœurance, hein, Tidiani d'un côté et Elton de l'autre. Exactement. Deux écoles. Tidiani était à vomir. Du coup, on va regarder ça. Ouais, vraiment. Ouais. On m'a demandé, moi, pourquoi j'étais pas au quiz. Je l'ai fait une fois et... Ouais, ça a suffi. Je vous invite à regarder. Après, le problème de Romain sur ce quiz-là, c'est qu'il n'avait pas été mis dans les meilleures conditions. C'était pas un thème pour lui. T'aimes PSG. Et là, sur ça, ils ont été durs. Parce que l'envoyer au feu comme ça, sur un premier quiz. Sur PSG Marseille. C'est pas cool. Ouais, c'était pas là où il voulait écrire un livre sur PSG Marseille, en plus, il avait cette envie-là. Ouais, c'est pas cool. C'est ce que je veux dire. Ça, c'est pas cool. Franchement, ils l'ont pas mis dans les meilleures conditions. Dommage. Sur les tirs au but, t'aimes pas Oleta. Non. Ça, franchement, tu vois ce que je veux dire. Non, c'est pas cool. Mais je crois qu'il y avait 2-3 thèmes sur l'équipe de France en plus pendant le quiz, non, franchement. Non, c'est pas ça cool. Ça montre que même quand on est spécialiste, et surtout quand on commence à vieillir, dans mon cas, il faut réviser. Ouais. Il faut réviser. Et peut-être un thème CAN pour aider Romain. Je pourrais bosser pas mal de gens sur les. Faut faire un thème CAN, mais à partir que des demi. Justement, la CAN, je suis pas spécialiste à la base. Peut-être la CAN à sucre. Non, mais je la bosse, la CAN, justement. Ah, tu la bosses. Alors que les thèmes de prédiction. Peut-être un quiz sur les enfoirés depuis 1995. Ah, là, je suis un collab. Là, je pense qu'à mon avis, c'est difficile d'être bas. On remarque qu'il y a une période de trous, j'ai été un peu moins, mais. C'est quoi ton. Le thème où je suis. Le thème injouable. Injouable. Foot ou hors foot, c'est-à-dire qu'on te donne une série de questions, tu te dis là, t'as pas besoin de réviser. France 98, je pense que je suis injouable. France 98, ouais. T'es injouable. Ouais. D'accord. Ouais. D'accord. Okay. Ok, donc on te prépare une dizaine de questions sur France 98. Le parcours de l'équipe de France en 98. Non. Hein, le parcours de l'équipe de France en 98. Ouais. France, d'accord. 98, je pense que je suis injouable. Autour de ça. Autour de ça. Ok. des remplacements en cours de match. D'accord. Les numéros dans l'ordre. Ok, tout, d'accord. Très bien. Sur les adversaires un peu. Ouais, les adversaires. C'est quand ta prochaine émission? C'est demain, je crois. Demain? Vas-y. Demain, on est quel jour? Vendredi? Ouais, vas-y. Ok, je te prépare ça en intro.
Ça peut être, ça peut être cool. Okay. Ça peut être bien. Je regarderai. Je Ouais, 10 questions. On va encore te foutre là. Programme de l'émission. Programme de l'émission, on va parler de l'Angleterre. Est-ce que c'est une génération dorée qui est sacrifiée? Deux questions dans ça. Est-ce que c'est une génération dorée? Est-ce que cette génération dorée est sacrifiée? Ça va être intéressant, on va parler de Gareth Southgate. Dedans, ça va être cool de savoir si le travail de Gareth Southgate est véritablement bon, si les résultats qu'il a eus et qui sont indéniables peuvent justifier le fait qu'il soit toujours à la tête de cette sélection et qu'est-ce que vous voyez pour l'Euro coaché par Southgate. Ensuite, on parlera de Kobbie Mainoo. Kobbie Mainoo, c'est assez intéressant parce que justement, ça va faire le lien. À la base, il n'est pas dans la liste de Gareth Southgate. Finalement, il vient pour remplacer un joueur et puis il est bon, il est titulaire. Il est homme du match. titulaire face à la Belgique, homme du match, merci. On passe. Est-ce que c'est encore un crack? Et il y a une déclaration de Southgate sur Kobbie Mainoo qui est plutôt sympathique pour lui. Est-ce que pour vous, la place de Kobbie Mainoo à l'Euro est déjà actée? On se posera cette question-là. Puis on parlera du Brésil. Le Brésil qui a joué contre l'Angleterre le week-end dernier et qui a rejoué ensuite contre l'Espagne. Est-ce que c'est un véritable nouveau départ pour le Brésil qui est sixième de sa poule de qualification pour la Coupe du Monde 2026? Là aussi, l'avantage, c'est qu'il y a 10 équipes et qu'il y a 10 qualifiés. Donc c'est plutôt cool. Mais donc, est-ce que c'est un nouveau départ? Il y a pas mal de jeunes dans cette liste de Dorival Junior. Dorival Junior qui est le nouveau sélectionneur brésilien. Qui est l'ancien acteur de... Non. Non. L'acteur de quoi, vas-y? Ma famille d'abord. Ma famille d'abord? Ouais. Pourquoi? Il s'appelait Junior, non le... Ah, oui, d'accord. Ah ouais, mais s'il y a tous les juniors. Ouais, tous les juniors au Brésil. Ouais, et on terminera par Hendrik. Qui a joué donc ses deux premiers matchs en Europe avec le Brésil et il a mis deux buts, un à Wembley, un à Santiago Bernabéu pour son baptême du feu. Il arrivera au Real que le 21 juillet. Pourquoi? Parce que le 21 juillet, c'est son anniversaire, il aura 18 ans. C'est fort. Ah, d'accord. Voilà. Et c'est vrai que j'ai 3 minutes avant de partir, me rappelle ça. Hier, j'ai pris une énorme claque. Sur ça. Parce que hier, en fait, à l'after, on a reçu mon ancien éducateur de Saint-Denis. Ouais. Qui fait des choses intéressantes avec ses élèves de Villetaneuse en les éduquant avec un peu de foot une fois par semaine. Et il a ressorti mon année, quand j'avais 14 ans, mes stats, etc. Et je faisais 44 kilos à 15 ans. 44 kilos? 44. Pas beaucoup. 44 kilos à 15 ans. C'est vraiment beaucoup, ouais. 44 kilos à 15 ans. 44 kilos. Parce qu'on dit que ton poids de forme, normalement, c'est 10 kilos de moins que ta taille. Ouais. Tu faisais pas 1m50? Non, je faisais 1m. Je sais qu'au collège et au lycée, j'étais très petit. Lycée, à 15 ans, j'étais très petit. Je faisais 1m60, je crois. Ok. J'étais juste en dessous. 1m60, ouais. Et donc, ça veut dire que sur les 15 premières années, j'ai fait 44 kilos. Et sur les 15, je termine les 15 autres, donc à 30 ans, où je fais 100 kilos. Ouais. Donc, j'ai pris 60 kilos en 15 ans. Ouais. Au début, quand tu as commencé par 44, je pensais que tu avais marqué 44 buts. Non, mais bon, malheureusement, non, 60 kilos. 60 kilos, 15 ans, ça fait 4 kilos par an. 4 kilos par an. Bon, après, il y a quand même un moment, je pense, où il a pris un peu plus de kilos par an. Après, je pense que c'est à 20 ans, à partir de 20 ans qu'il y a eu une. Ouais. Même un peu après. Tu as du poids. Ouais. Même un peu après. Je t'ai connu en 2017, ça allait encore. Encore, ça, ouais. Il y a eu un petit passage vers 2019-2020, je crois. Il a dit que tu faisais 1m52. 1m52, voilà. 1m52, 44 kilos, c'est bien. D'accord, 1m52. C'est ça. Ou 1m56. Ah oui, il y a des mecs qui te suivent. Ouais. Ouais, c'est très fort. Ouais, c'est juste 3008. Hein, c'est un peu flippant. Il sort, quand je sors de chez moi, je le check. Hein. Ouais, ouais. Il me suit, mais c'est quoi mon planning aujourd'hui, Jess? Le confinement. Oui, le confinement, ça t'a fait beaucoup de mal, je pense. Pas que le confinement. Oh, quand tu faisais en live Instagram, tes grandes tartines. La cristalline, la cristalline pêche. De trucs, là. La cristalline pêche. Live Instagram ou pas, je pense que je faisais les tartines. Ouais, je pense aussi. On y va, on parle d'abord de l'Angleterre. Allez, c'est parti, tout de suite la causerie. – 10 kilos de moins que ta taille, c'est bullshit. – Ouais, bon, après, moi, je ne suis pas un diététicien, moi. – Ouais, donc ferme-la. – Ouais, je pourrais m'affirmer là-dessus. L'Angleterre qui, n'a pas gagné sur ces deux matchs de trêve internationale. Défaite face au Brésil, 1-0. Match nul face à la Belgique, 2-2, grâce à un but de Jude Bellingham à la… Dernière seconde de la dernière seconde. Je vous montre les statistiques face à la Belgique. Le match était intéressant, Najim, face à la Belgique, mais la trêve, globalement, de par les résultats, on est obligé de dire qu'elle est ratée pour l'Angleterre. Bah forcément, quand tu fais un match nul, une défaite, et en plus,
un match nul que tu arrives à obtenir dans les dernières minutes, ce n'est pas forcément ce qu'espéraient les Anglais sur cette trêve internationale. Donc oui, la trêve, elle a été plutôt ratée dans son ensemble. Moi, j'ai trouvé que, notamment sur le match contre la Belgique, il y avait eu des choses intéressantes, des choses un peu plus inquiétantes. D'ailleurs, contre la Belgique, globalement, je pense que l'Angleterre doit gagner ce match. Je trouve que ça a été l'équipe la plus intéressante sur le match, notamment sur la seconde période. Il y a un but refusé de Bowen. Il y a beaucoup d'occasions. Il y a Bellingham qui a une immense occasion en première mi-temps. Il frappe au-dessus. Il a une tête qui passe à côté. Maïnou aussi, Maïnou a une très grosse occasion à un moment vers la 60e minute de jeu. Tony a une belle occasion au début de seconde période. Bowen. Ils ont eu beaucoup d'occasions et la Belgique en a eu très peu sur la seconde période. Donc, surtout je pense que l'Angleterre arrive d'une grosse erreur de Pickford. Ah oui, les deux buts viennent d'erreurs. La première, elle vient d'une mauvaise relance de Pickford et la deuxième vient d'une erreur de Dunk qui glisse un petit peu et ensuite Lukaku l'extérieur fait de Lukaku, un superbe extérieur du pied pour Youri Tielemans. Magnifique. Surtout la célébration derrière, il regarde son coéquipier en gros, t'as vu ce que je viens de faire. Incroyable. il dit rien. C'est Tielemans qui met le deuxième, non Tielemans, les deux, c'est Tielemans. Tielemans part, etc., faire sa célébration et tu sais, il regarde son coéquipier juste à côté. C'est bien. Lui, sa tête dans les 6 mètres, c'est mignon. Mais t'as vu l'extérieur quand même que je viens de te faire. Refaites la boue, mais il fait juste ça là. Ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que l'Angleterre, mine de rien, avait quand même pas mal de blessés. Hein. Harry Kane et Bukayo Saka déjà n'étaient pas là. Kyle Walker s'est blessé sur le premier match. John Stones est sorti au bout de 10 minutes sur le deuxième match. Rhys James s'est blessé depuis longtemps. Alexander Arnold était blessé. Marguerite, t'en as quand même pas mal des joueurs quand même qui étaient blessés du côté d'Angleterre. C'est un peu moins fort, mais je voulais donner un petit peu tous les blessés quand même du côté de cette équipe d'Angleterre. Donc, mine de rien, c'est quand même un élément à prendre en compte. Mais moi, voilà, j'ai trouvé qu'il y avait des choses inquiétantes et d'autres un peu plus rassurantes. Ce que j'ai trouvé inquiétant, c'est un peu sur le plan tactique. Et ça rejoint un petit peu Southgate qui est quand même pointé du doigt depuis un certain temps. Moi, personnellement, je pense que Southgate aurait dû laisser sa place après la dernière Coupe du Monde. Il y avait notamment quelque chose quand même qui m'a un peu choqué, c'est que, en fait, l'Angleterre se voulait protagoniste et il voulait presser très haut au niveau de la relance belge. Tu avais souvent, en fait, Rice qui montait sur Mangala et Maïnou qui montait sur Onana. Et en fait, à chaque fois, tu avais Tielemans qui était libre dans le dos du milieu de terrain. Et en fait, ça s'est répété énormément sur les 15 premières minutes. Mais même sur la seconde période, ça s'est souvent répété. Et d'ailleurs, Youri Tielemans, c'est celui qui ressort du côté de la Belgique. Même au-delà de ses deux buts. Mangala aussi a fait un bon match. Il était plutôt intéressant, mais plus dans un rôle un peu de récupérateur. J'ai trouvé que Mangala avait récupéré beaucoup de ballons. Ça, on le voit plus dans un rôle un peu de box-to-box à Lyon. Ouais. Là, je l'ai trouvé dans un rôle de récupérateur très intéressant. Mais celui qui ressort le plus, ça reste quand même Youri Tielemans, qui te marque un doublé et qui, même sur l'ensemble du match, je trouve, a été le plus intéressant du côté de la Belgique. Et moi, ce qui m'a vraiment étonné, ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'en fait, du côté de l'Angleterre, ils l'ont laissé complètement libre. Et à ce niveau-là, tu ne peux pas tactiquement être autant, entre guillemets, un peu à la ramasse et laisser autant un joueur libre de l'autre côté. Mmh. Et moi, je pense que dans les gros matchs à l'Euro, si tactiquement, ce genre de détails, tu les laisses passer, ça peut être préjudiciable. Donc moi, vraiment, sur le plan tactique, ça m'a un peu inquiété, ce point-là, notamment. Et puis ensuite, il y a d'autres choses qui m'ont rassuré, notamment l'animation offensive avec le ballon. J'ai trouvé ça très intéressant, ce qu'a fait l'Angleterre. Alors, comme tu disais, il y avait plutôt des seconds couteaux. Hein. À part Foden, Bellingham, qui seront titulaires normalement. Mais d'ailleurs, le 11, on l'a plus ou moins. Ce sera, je pense, Pickford dans les buts. John Stones, Maguire en défense centrale, je pense qu'ils ont une avance sur tous les autres centraux. À droite, je pense que ce sera Walker. À gauche, Trippier, oui, mais Chilwell, il était là parce que Trippier est blessé. Trippier et Luke Shaw. Si Trippier et Luke Shaw sont disponibles, ce sera l'un des deux. Au milieu de terrain, Declan Rice, on cherche encore l'identité du deuxième milieu de terrain. Ce sera soit Maïnou, soit Gallagher, soit Alexander Arnold. Alexander Arnold qui avait joué milieu de terrain sur les rassemblements d'octobre et de novembre. Et puis le quatuor d'attaque, je pense que ça ne bougera pas. Hein. Ce sera Bukayo Saka à droite, Phil Foden à gauche, Bellingham au poste de numéro 10 et Harry Kane à la pointe de l'attaque. Donc les deux seuls points d'interrogation, c'est qui va accompagner Declan Rice et qui sera latéral gauche. Ouais. Ça sera pour l'Euro. Tiens, en parlant de l'Euro, je vous remonte parce que tu disais tout à l'heure qu'on avait oublié un peu tous les groupes, etc. On l'a, le groupe de l'Angleterre, c'est le groupe C. Il y aura la Slovénie qui a joué contre le Portugal. Tu sais qui est le coach de la Slovénie ? Non. Bostjan César. C'est qui celui-là ? Ah bon, l'ancien défenseur de l'OM. De l'OM ? Non, ah ouais ? Si, si. Ok, ah ouais. Très bien. Je savais pas. C'est pas le mec de... Non, le mec qui est entraîneur à Naples, il est entraîneur de la Slovaquie. Slovaquie, ouais. C'est ça. Donc la Slovénie, le Danemark, la Serbie et l'Angleterre. C'est pas dégueulasse, quoi, comme groupe. Il y a moyen, s'il y a une galère, il y a moyen que ça soit un peu bourbier, quoi. C'est pas dégueulasse, mais je pense que globalement, ça reste l'un des groupes les plus abordables. Moi, je le mettrais. Je pense qu'il y a un groupe un peu plus écœurant, mais avec la Slovaquie. Mais c'est vrai que Serbie, Danemark, c'est quand même deux équipes. La Serbie, ça va pas bien, ils te disent. Ceux qui suivent la Serbie, ils disent. Ça va bien du tout, mais Serbie, Danemark, c'est quand même deux équipes qui
sur les dernières années sont dans les grosses compétitions, Coupe du Monde, notamment. Donc, Serbie qui déçoit un peu. Ouais, de temps en temps. Même si la Serbie, on sait très bien que c'est très très irrégulier. On ne sait pas véritablement à quoi s'attendre de par leurs individualités et surtout par rapport au collectif qu'ils peuvent avoir. Mais bon, l'Angleterre a tout quand même pour terminer première de sa poule. Normalement, ça doit faire 7 ou 9 points. Ouais. Alors, j'entends ce que vous me dites, hein, mais le problème, c'est qu'on regarde aussi un petit peu les matchs et que ce n'est pas la première fois qu'on est déçu par ce que va proposer Gareth Southgate. Je vous montre la liste globale des joueurs qui ont été retenus par Gareth Southgate, sachant que j'ai mis entre parenthèses ceux qui ont été rappelés pendant la trêve. Je pense parce que John Stones, par exemple, John Stones dans les buts était là pour le premier match, il est parti, et puis c'est Trafford qui est arrivé. Pareil pour Walker qui a été remplacé par Lewis et pour Meinou qui est arrivé par la suite, qui n'était pas prévu à la base. Walid, on parle énormément du vivier de cette équipe-là, mais est-ce qu'on n'est pas un peu déçu, mine de rien, par tout ce qu'on voit par rapport à ce vivier-là ? Déçu, oui et non, parce qu'en fait, moi, j'ai une vision différente en fait, de l'Angleterre, surtout sur ce rassemblement-là. Enfin, j'ai cette perception-là, peut-être que je suis dans l'erreur, mais par rapport à l'équipe de France notamment, et moi, j'ai eu cette réflexion notamment contre le Brésil, un peu moins contre la Belgique, où la Belgique, j'ai l'impression qu'ils ont joué le match comme un vrai match de préparation. Le match contre le Brésil, il y avait quand même beaucoup de changements et des deux côtés. Moi, je trouve que c'était vraiment un match amical. Match amical, un peu match de gala, Angleterre-Brésil, mais j'ai pas match vu. Match pas fou dans l'ensemble, d'ailleurs. Match pas fou. Oui, il y a eu 1-0, c'était pas... avec beaucoup de changements, des blessures. J'ai eu du mal à rentrer dans ce match-là. J'avais vraiment l'impression, tu sais, du match amical à la 500e, on fait une revue d'effectifs. À la mi-temps, il y a aussi des changements, etc., etc. Ce que j'ai pas perçu, par exemple, sur France-Allemagne. Ou le France-Allemagne, je l'ai déjà répété ici. Moi, j'ai eu vraiment cette impression. Un vrai match de préparation. Match donc de préparation. Là, il y a des enseignements. Il n'y a personne qui sort à la mi-temps. À la 110e, on fait des changements pour impacter ou pour rectifier la rencontre. Sur le deuxième match, je l'ai moins senti, ça. Je l'ai moins senti, même dans l'implication et dans ce qu'ils ont voulu faire. Même dans le jeu, comme vient de le dire Najim offensivement. J'ai trouvé que cette équipe-là, même cette faculté à ne pas vouloir perdre deux matchs d'affilée, parce que ça aurait pu faire... Bellingham l'a dit en plus en conférence de presse. Sur la fin de match, j'ai senti cette équipe de l'Angleterre vouloir aller faire un résultat et jusqu'au bout. Et tu l'as dit, Bellingham va arracher ce but à la dernière minute. Maintenant, oui, bien évidemment que tout n'est pas parfait avec cette équipe d'Angleterre et il y aura toujours cette fiabilité qui me donne un point d'interrogation. Les joueurs, tu les as, mais dans quelle forme tu vas les avoir ? Et puis surtout, sur le moment clé, l'instant T, est-ce qu'ils vont répondre présent ? Est-ce que... Alors, il y en a qui diront, attention, ils ont fait finale sur le dernier Euro, ça se joue à peu de choses, et derrière, ils perdent contre la France. Okay. Et globalement, dans le contenu, ils ont été meilleurs que la France. Mais on en a marre de... Je pense que si je suis anglais, cette histoire de contenu, etc... N'importe quoi, bien plus maintenant. Depuis 1966, ça sert beaucoup. Donc aujourd'hui, c'est la gagne ou rien pour l'Angleterre. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut pour cette fameuse génération qui reste quand même avec un vivier, ou en tout cas un 11, un 12, un 13, un 14, assez pléthorique, même si, attention, il y a des secteurs de jeu bien plus forts que d'autres. Mais globalement, tu dois arriver pour gagner 7 euros dans 3 mois. Tiens, je vous pose la question, les Winami. Où est-ce que vous voyez l'Angleterre ? En partant du fait que s'il n'y a pas demi, c'est un échec. Est-ce que vous voyez l'Angleterre qui gagne l'euro ? Est-ce que vous les voyez en finale ? Est-ce que vous voyez en demi ? Ou est-ce que vous voyez donc l'échec, ce qui serait avant les demi ? Il faut taper le mot exact pour que ça passe, donc gagnant, finale, demi ou échec, vous pouvez répondre sur les différents chats, sur YouTube, sur Twitch et sur le chat Winamax. Et la question que je vais poser aussi en filigrane à mes deux chroniqueurs, c'est est-ce que tu, Najim, as vu dans cette trêve-là de mars a changé un peu la perception que tu pouvais avoir pour cet été ? Moi, ça m'a surtout rappelé quand même que, attention sur le banc, Southgate... Que le vivier, ça faisait pas tout. Ouais, c'est surtout Southgate, on l'a souvent pointé du doigt, et cette trêve internationale, elle m'a rappelé que c'était Southgate quand même qui était sur le banc, et que avec un tel sélectionneur, tu peux encore une fois trébucher. Moi, voilà, c'est pas forcément un sélectionneur qui m'a beaucoup convaincu depuis son arrivée. Alors certes, il y a eu la finale lors du dernier Euro, il y a un quart de finale lors de la dernière Coupe du Monde où tu es éliminé contre l'équipe de France, mais il y a eu souvent des griefs quand même qui ont été faits sur son jeu. Un jeu un petit peu frileux,
une équipe qui n'arrivait pas forcément à exploiter tout son potentiel. Donc moi, mon point d'interrogation, il est plus sur Southgate, sur cette trêve internationale aussi. Ce qui a un petit peu changé par rapport à ce qu'on a pu voir de l'Angleterre récemment, c'est que sur le plan défensif aussi, ils n'ont pas été très rassurants. Ils se sont pris pas mal de buts, notamment sur contre-attaque. Enfin, en tout cas, ils ont eu pas mal de difficultés sur contre-attaque. Il y a eu des erreurs individuelles aussi qui ont amené à des buts. On l'a expliqué tout à l'heure. Mais à côté de ça, je reste quand même optimiste pour l'Angleterre. Parce qu'encore une fois, tu as ce vivier, tu as quand même une très belle équipe sur le papier. Moi, je vois l'Angleterre aller très loin sur la compétition. Et encore une fois, contre la Belgique, je trouve que le match, le score ne reflète pas la partition de l'Angleterre. Moi, vraiment, j'ai vraiment aimé le match de cette équipe d'Angleterre, sur le plan offensif notamment. Je disais tout à l'heure qu'on disait souvent de Southgate qu'il était un peu frileux. C'est pas ce qu'on a vu face à la Belgique. On a eu une équipe protagoniste, une équipe offensive, et j'ai aimé notamment le trio au milieu de terrain. Bellingham a été exceptionnel. Exceptionnel. Bellingham, le match qu'il a fait face à la Belgique a été incroyable. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de le voir avec le Real Madrid. Non, mais il est trop fort. Mais là, ce qu'il a fait face à la Belgique, et je ne parle pas que de son but à la dernière minute, je parle vraiment globalement son match dans son entièreté, c'est un match de patron. Et ce n'est pas ce qu'il était encore lors de la Coupe du Monde 2022. C'était un bon joueur de l'Angleterre, il a d'ailleurs fait une bonne compétition, mais c'était encore un joueur qui était en train de prendre ses marques dans cette sélection. Après, il avait 12 ans et demi. Hein. Là, c'était vraiment le patron, le leader de son équipe, et il était à la fois numéro 6, numéro 8 et numéro 10 dans le match. Moi, il y a eu plusieurs séquences dans le match où il venait prendre le ballon, c'était lui le numéro 6, et il terminait les actions au poste de numéro 10. Je l'ai trouvé absolument fantastique, Bellingham, sur la rencontre. Après, sur le jeu de Southgate, on est d'accord, mais moi, je trouve quand même que dans les intentions, si on parle d'intention... Ah bah là, en tout cas, moi, j'ai bien aimé. Mais globalement, même à la Coupe du Monde, à chaque match, c'est pour ça que moi, je mettais une espèce de... Je dissociais son euro, où il fait finale. C'est vrai. C'est vrai qu'il y avait une différence entre l'euro et la Coupe du Monde. Tu sais, tout à l'heure, quand tu disais, moi, j'aurais aimé qu'il parte. Après, moi, je ne suis pas dans ces considérations-là, partir ou pas partir. Mais moi, j'avais une image plus positive de Southgate après la Coupe du Monde qu'après l'euro. Même si le résultat est bon. Pourtant, l'euro, il fait finale et la Coupe du Monde, il perd en quart. Mais oui, dans le jeu, ça ne sera jamais, on le sait, etc. Mais par contre, par rapport à toutes les équipes qu'il a rencontrées, à chaque fois, c'était l'équipe qui... la plus offensive sur le terrain. Sur la Coupe du Monde, t'as pas tort. Tu vois ce que je veux dire ? Avec le plus d'intention. Sur le match contre la France, c'est quand même l'équipe qui veut le plus jouer, qui veut faire plus mal à l'adversaire. Contre le Sénégal, la même chose. Contre l'Iran, la même chose. En poule, il y a peut-être le match... Les États-Unis qui étaient compliqués. Le match contre les États-Unis qui était compliqué. Mais sinon, globalement, c'était un mec qui pouvait mettre Bellingham un peu plus reculé avec quatre attaquants. Et, tu vois, il y avait un truc qui me plaisait. Et là, contre la Belgique, ça a quand même été le cas. Clairement. Donc, moi, c'est... Alors, le jeu sera toujours... avec des défauts, quoi. Il y aura toujours des défauts dans cette équipe d'Angleterre. Ça fait longtemps qu'il est là, quand même, Southgate, mine de rien. Ouais, mais moi, à un moment aussi, c'est aussi pour ça. Enfin, on a beaucoup pour maintenant avec Deschamps, on peut plus trop parler de jeu, mais à un moment, on avait l'exigence avec Deschamps parce que ça faisait longtemps qu'il était là et que, bon, finalement, il nous a dit, bon, bah, c'est les résultats. Et Deschamps a eu des résultats qui ont permis d'enlever, d'annuler certains débats sur le jeu. Gareth Southgate, ça fait donc maintenant 7 ans qu'il est là. Tu sens pas une patte, quoi. Moi, j'aurais aimé qu'une nouvelle page s'ouvre avec un nouveau sélectionneur. Champ des intentions. Maintenant, c'est vrai que Walid a raison là-dessus. Peut-être que la métamorphose de cette équipe d'Angleterre, c'est-à-dire une équipe d'Angleterre un peu plus protagoniste, un petit peu plus offensive dans le jeu, est peut-être un petit peu arrivée plus tôt que ce que j'ai pu dire. C'est-à-dire que c'est vrai que pendant la Coupe du Monde, on avait une équipe d'Angleterre qui était quand même plutôt offensive. Après, Fredo Gattori, il dit, pardon Walid, je pense que c'est pas dû au coach, mais à la qualité individuelle de ses joueurs. Peut-être. Après, la réalité, c'est que nous, comment on peut le percevoir ? On est devant notre écran. Tu peux voir des schémas de passe, des trucs dans le genre. Non, je pense quand même qu'il y a eu une remise en question. C'est-à-dire qu'à l'Euro, on n'avait pas forcément une équipe d'Angleterre aussi offensive qu'on a pu le voir à la Coupe du Monde ou qu'on a pu le voir contre la Belgique. Le système de jeu n'était pas le même. Déjà, le système de jeu n'était pas le même. Il demandait à Philippe Serrais de ne rien faire avec le ballon. Exactement. C'était des joueurs qui... C'était très différent. Moi, là, de ce que j'ai vu, par exemple, contre la Belgique, j'ai quand même vu une équipe très offensive qui essayait d'aller presser très haut avec beaucoup de déplacements, un rôle très libre, donc comme j'expliquais tout à l'heure pour Bellingham, qui avait une totale liberté dans le jeu. Un Kobbie Mainoo également, on va en parler tout à l'heure, qui avait un rôle un petit peu plus offensif. J'ai aimé ce qu'a fait Ivan Toney aussi dans un rôle d'attaquant pivot. Moi, je trouve qu'il arrive quand même à s'adapter en fait aux joueurs qu'il a à sa disposition, à les mettre dans les meilleures conditions. Moi, j'ai aimé en tout cas la partition contre la Belgique. La partition contre la Belgique, match nul 2-2, alors que tu étais mené 2-1 jusqu'à la 90e minute de jeu, pour moi,
c'est pas une raison inquiétante. Il y a plus de choses positives à ressortir de ce match que de choses négatives. Il y a certaines choses négatives, je les ai mentionnées tout à l'heure, notamment sur le point tactique que j'évoquais tout à l'heure, mais dans l'ensemble, j'ai vu des choses quand même qui m'ont plutôt rassuré. Non, mais sur les intentions, si tu fais jouer Declan Rice, Kobe Mainoo, Bellingham, Saka, Foden, Harry Kane, encore une fois, oui, non mais... C'est que le mec... Non, mais c'est l'animation, non, après. Non, mais quand on passe de ça à la défense à 3, à plus Declan Rice et Calvin Phillips, où les mecs avec le ballon... Ils jouaient pas, ouais. T'avais une équipe un peu coupée en deux. C'était compliqué. On jouait les pistons, et c'est les pistons qui devaient... Qui devaient tout faire. Qui devaient, où il y avait une surresponsabilité des pistons. La même chose. Si c'est un Gallagher qui joue... si c'est un Alexander-Arnold qui joue aux côtés de Declan Rice... T'as quand même une équipe qui respire le football, quoi, quand même. Bah, clairement. Ivan Toney, c'est le joueur préféré des hipsters PL, des tipsters PL. Ah, il a fait un bon match. Hein. Ouais, hier, franchement, avant-hier. Il a gagné des points par rapport à Watkins. Il a gagné des points par rapport à Watkins. Ouais. Alors, mine de rien, donc vous voyez toujours, c'est les demi-finales qu'il emporte pour nos Winami, 34%. En dessous des demi-finales, 30% des votes. Ensuite, il y a la finale et seulement 15% voit l'Angleterre gagnant. Je vous rappelle, on peut remontrer les cotes en même temps si vous voulez, que l'Angleterre est le favori des cotes pour cet Euro à la victoire finale. 4,50 pour l'Angleterre, 5 pour la France et 7 pour l'Allemagne. C'est dispo, bien sûr, c'est dispo sur le site de Winna. Vous pouvez aller regarder les cotes des vainqueurs de cet Euro. Et il y a déjà les cotes des matchs, des premiers matchs, des premières journées de l'Euro, si vous avez envie de prendre l'avance par rapport à juin. On va passer au deuxième sommaire. J'ai une bonne vibe sur l'Angleterre, quand même. T'as une bonne vibe ? Ouais. Après, t'avais une bonne vibe sur la saison d'Harry Kane, qui allait tout gagner partout, tout le temps. Donc, il s'est encore terminé ? Bah, il va pas être champion. Déjà. Ok, mais il s'est terminé l'Euro ? Il a commencé l'Euro ? Non, mais... D'accord, ok, merci. Tu le voyais ballon d'or, il t'a commencé toi aussi à... T'as même eu ta réflexion pour dire, je vais peut-être, peut-être faire un pas de côté. S'il gagne la Ligue des Champions et l'Euro, il file les ballons d'or. Je ne dis pas que tu dis, mais oui. J'y crois pas pour la Ligue des Champions, mais j'y crois pour l'Euro. Je sais que tu crois pas pour la Ligue des Champions. S'il fait une saison à 55 buts et gagne l'Euro... Sa saison, elle est stratosphérique. Oui, mais très bonne sa saison. Voilà, très bien. Mais juste que tu as fait un pas de côté. J'ai pas fait de pas de côté. Ah bon, d'accord. J'ai pas fait de pas de côté, oui. La Bundesliga, il la remporte pas. Et je suis surpris de ça. Je l'ai pas programmé. Maintenant, encore une fois, c'est pas parce que je vois Arsenal gagner contre le Bayern que ça veut dire que l'Arsenal va battre le Bayern, non ? Non, c'est vrai. Kobe Mainoo, tu es un nouveau crack encore du côté de l'Angleterre. Je vous mets les statistiques depuis le début de la saison pour Kobe Mainoo. Parce que, sauf si on rajoute une entrée en PL l'année dernière, c'est à peu près les statistiques de sa carrière en pro, hein, Kobe Mainoo. 23 matchs cette saison, toutes compétitions confondues, un but et seulement deux passes décisives. Il y a pas mal de minutes jouées, mine de rien. Comment ? J'ai dit, et quel but ? C'était le but qu'il avait marqué contre Wolverhampton à la toute dernière minute. C'est un but qui restera dans la mémoire des supporters de Manchester cette saison. Je vous montre aussi, et c'est ça qui va être aussi intéressant, c'est la déclaration de Gareth Southgate sur Kobe Mainoo. Nous avons vu qu'il n'avait pas peur de rentrer. Il a une grande technique pour recevoir le ballon quand il est pressé, pour trouver une passe et être fort dans les petits espaces. Ça nous donne un profil de joueur que nous n'avons pas. C'est très excitant. C'est vrai qu'il n'y a pas le style de Kobe Mainoo dans les listes potentielles de l'Angleterre ? Bah non, pas trop. Hein. Moi, franchement, j'aime beaucoup ce joueur. Je pense sincèrement qu'il a gagné sa place pour l'Euro grâce à son match face à la Belgique. Il a été élu homme du match. C'était l'un des meilleurs sur le terrain. Pour moi, Bellingham a été un peu meilleur, mais Kobe Mainoo arrive juste après. Il a fait un sacré match. 18 ans, montrer cette personnalité à Wembley pour ton deuxième match avec la sélection anglaise, parce qu'il était rentré également face au Brésil. Vu la saison également qu'il est en train de pondre à Manchester United, il n'y a rien à dire. Comme tu l'as dit, c'est un véritable crack. Moi, j'aime beaucoup ce joueur, il a énormément de qualités. Sa principale qualité, c'est sa capacité à sortir du pressing. Et ça, c'est une qualité que peu de milieux de terrain ont. C'est-à-dire que quand tu as 2-3 joueurs sur toi et que tu arrives à chaque fois à trouver la solution, grâce notamment à chaque fois à des bonnes fentes de corps, à un bon positionnement de ton corps, à une très bonne relation ça également joue avec autant le ballon. Avant sans le ballon qu'avec ballon. Clairement. Franchement, c'est un super joueur dans ce registre-là, réussir à sortir du pressing adverse. C'est aussi un joueur qui a une très belle qualité de dribble et qui est capable de s'engouffrer dans le bloc adverse. Je vous renvoie notamment à son excellent match face à Liverpool en quart de finale de la FA Cup où il avait été excellent également. Il l'a également été face à la Belgique. D'ailleurs, le premier but, le pénalty obtenu par Ivan Toney, il est à l'initiative au départ de Kobe Mainoo qui il est justement... Il avoir son but contre Wolverhampton et t'as tout compris. Son but face à Wolverhampton, ça va exactement dans ce sens-là. Donc voilà, il a ça. Et puis vraiment, ce qui ressort aussi, encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est sa personnalité. C'est-à-dire que, en fait, réussir à montrer autant de confiance, autant de sérénité, que ce soit sur le terrain ou en dehors, à l'âge de 18 ans,
pour une première saison à Manchester United et pour des premières sélections avec la sélection anglaise, c'est juste incroyable. Moi, dans le profil, il me fait penser un petit peu à Thiago Alcantara. C'est dans ce registre-là, un petit peu de sortir un peu du pressing, dans cette qualité de dribble. En fait, c'est Thiago Alcantara, c'est un joueur qui dribble, mais qui fait beaucoup de feintes de corps. Tu vois, il joue beaucoup avec ses feintes de corps. Bah, Kobbie Mainoo, il est un peu dans ce registre-là. Peut-être un peu plus athlétique et sur les un peu plus vif, ouais. Il y a un peu plus de vivacité. Un peu plus athlétique. Ouais, et puis ouais. Aussi, il a aussi un côté récupérateur aussi que Thiago Alcantara avait un petit peu moins. C'est-à-dire qu'il est capable quand même de colmater un peu les brèches, de récupérer des ballons. Il le fait 2-3 fois, notamment sur Onana face à la Belgique. Bah, d'ailleurs, la grosse occasion ratée de Bellingham, elle intervient sur une récupération de Mainoo très haut sur le terrain, sur Amadou Onana. Donc, il a aussi ce côté un peu box-to-box. Donc, c'est pour moi l'une des révélations de la Première Ligue, même la révélation de la Première Ligue, parce qu'on ne le connaissait pas, enfin, on ne le connaissait pas au haut niveau avant cette saison. Et je pense qu'il sera non seulement avec l'équipe d'Angleterre, pour moi, ça c'est quasi certain, au mois de juin, et je pense même qu'il sera titulaire. Moi, je pense qu'il commencera la compétition aux côtés de Declan Rice. Moi, je ne suis pas allé jusqu'à titulaire, mais je vous pose la question. Est-ce que vous voyez Kobbie Mainoo à l'Euro? Vous répondez oui ou non sur les différents chats. Je rappelle que vous n'avez pas besoin de voter 25 fois si vous votez une seule fois. Ça prend en compte votre vote. Et si vous votez 4 fois... Ça va vite quand même, non? Ça va vite, mais... Si vous votez 4 fois, c'est ce qui va se passer, je pense. Ça va vite, mais... Et ce serait mérité. En fait, il y avait un commentaire tout à l'heure qui était assez intéressant. C'est le combienième crack de 17-18 ans. On a l'impression que pour ces générations-là, maintenant... Ça va très vite. Mais on a l'impression que pour ces générations-là, ça glisse, quoi. Il y en a, ça va trop vite. Par exemple, Zaïre Emery, on l'a vu contre l'Allemagne. Oui, voilà. Ouais, mais c'est ce que j'allais te dire. Ça te dérange pas pour Zaïre Emery? Non, mais je sais, mais oui, mais après, encore une fois, moi, ça ne me dérange pas, Kobbie Mainoo, s'il est... Zaïre Emery, c'est sa deuxième saison dans un groupe pro. C'est pas, même s'il n'avait pas l'importance qu'il avait cette année. Kobbie Mainoo, il n'a pas fait 3 mois encore. Il en a 20 matchs. C'est bon, il les a fait, les 3 mois. Voilà, mais tu as compris ce que je veux dire. Par rapport à, tu dis, Zaïre Emery, il n'a qu'une deuxième saison pro. Après, ils ont le même âge. Non, mais Kobbie Mainoo... Mais après, l'idée, c'est de juste dire que ça va très, très vite, quoi. Oui. Mais oui, ce qu'il fait sur le terrain est assez incroyable. Moi, en plus, c'est un football qui me parle totalement. Et je trouve qu'il a une palette et des cartes en main qui sont assez vastes et qui lui permettent de faire de très, très bonnes choses sur le terrain. Maintenant, quand on dit que l'Angleterre, il y a besoin d'avoir de l'expérience et de ne pas être naïf en compétition et en grande compétition, ça passe aussi par... par là. Donc est-ce que Kobbie Mainoo le voit, parce que c'est ce que vient de dire Najim, tout de suite propulsé titulaire sur un euro, ça me pose deux questions. C'est soit il est vraiment très 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 fort sur la durée, parce que là il l'est déjà, mais qui confirme, parce que là aujourd'hui il y a le phénomène de surprise, il y a le phénomène de... Faut qu'il confirme. Voilà, on sait pas... L'insouciance. Il y a l'insouciance, on sait pas comment il va réagir à tous les paramètres du foot. Soit il est très 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 fort et là ok, ou soit à côté il n'y a pas assez fort aussi en termes de référence. Oui, c'est ça, parce que quand il parle de profil, Gareth Southgate, c'est quand même assez intéressant ou inquiétant, ça dépend comment on voit les choses, pour dire ce profil là de joueur qui dans ces espaces là peut être aujourd'hui celui qui était à côté de Declan Rice, Philippe disparu, il y avait Gallagher aussi, disparu, Anderson disparu. Enfin, il est encore là en plus, ouais. Anderson, mais ouais. Il a disparu. Il n'a pas joué une minute là sur le rassemblement. Il y a Gallagher qui fait une belle saison avec Chelsea quand même. Mais qui a un autre profil. On peut pas mettre Maddison un peu plus bas? Un peu compliqué. Maddison, c'est dommage parce que c'est lui quand même qui fait la passe décisive sur le but de Bellingham, parce qu'il est rentré en cours de jeu. Il fait une très bonne saison du côté de Tottenham. Mais Maddison, son poste, c'est le rôle de Bellingham. Et mettre Bellingham à côté de Declan Rice et Maddison plus haut. Un genre de 4-3-3 avec Declan Rice en sentinelle et tu mets Maddison. Beaucoup demandent ça. Ouais. Après, moi, quand je vois le match de Bellingham là, contre la Belgique et ce rôle très libre qu'il avait, j'ai envie de le laisser dans ce rôle-là. Il était brillant là, face à la Belgique. Dans les matchs où il va avoir beaucoup de densité, est-ce que de le faire partir un peu plus bas, ça peut pas être... Bellingham. Ouais, mais la vérité, c'est que Bellingham, quand tu vois le match contre la Belgique, il y a plein, comme je te dis tout à l'heure, il avait une totale liberté. Il y a plein d'actions, il redescend quasiment à hauteur de Declan Rice. En fait, il a tellement de liberté, Bellingham, dans ce rôle de numéro 10 qui n'en est pas vraiment un. Je le disais tout à l'heure, pour moi, il a joué 6, 8 et 10 à la fois dans le même match face à la Belgique. S'il a ce rôle-là, pour moi, c'est le rôle qui lui convient le mieux à Bellingham. Lui laisser autant de liberté comme ça sur le terrain, c'est mieux que le restreindre un peu à un rôle de 8. On lui dit, Loftus-Cheek, pourquoi il n'est plus pris? Ça, ouais, j'ai vu aussi que ça en parlait un peu dans la presse anglaise. C'est vrai que ça peut être intéressant aussi. Pourquoi pas Loftus-Cheek qui fait une bonne saison du côté du Milan? Ça peut être intéressant. Maintenant, au vu des qualités et au vu de ce que montre Mainoo, pour moi, pour le moment, c'est mérité qu'il soit dans le groupe. Ça pourrait être mérité également qu'il soit titulaire. Maintenant, comme l'a dit Wally, il a gagné sa place dans le groupe et c'est très bien. Faut faire attention parce que. On sait très bien que tu as des joueurs qui peuvent se brûler les ailes, mais
On a aussi vu des jeunes joueurs comme ça à l'Euro qui peuvent être des révélations. Je pense à Pedri. Mais nous, ça peut peut-être être le Pedri de 2024, tu vois. Mmh. Être ce joueur, cette révélation de l'Euro qui va un petit peu tout éclabousser sur son passage. Moi, je le vois comme ça. On va voir si c'est ce qui va se passer durant le prochain Euro. Mais je pense que, vu ce qu'il montre, notamment dans la tête, je pense qu'il peut faire très mal. Parce qu'en fait, aujourd'hui, moi, je me place... Si t'as un mec comme ça qui pop, qui gicle là, de cette manière aussi spectaculaire... dans des équipes qui, entre guillemets, n'a pas beaucoup de références ou qui est dans un vivier... Est-ce que tu ne profites pas juste de l'instant et de dire, bon, bah, là, il est en feu, il faut le mettre là, et puis voilà, quoi. C'est ça, en fait, l'idée ? Non, mais ce que je te disais, c'est que, par exemple, Lamine Yamal, qui gicle là, en Espagne, ouais. Bah, OK, là, il réunit tout, parce que... Mais c'est une innovation par Santiago Bernabéu, il a 17 ans. Que, mais parce c'est un Barcelonais. Parce qu'il manque beaucoup de qualité dans cette équipe. Mm. Il manque beaucoup de qualité. Oui, oui. Et en plus, il a un poste clé, un poste dans les 25 derniers mètres où il te faut du génie, de l'insouciance. Ça me dérange un peu moins. Mais là Meynou, tu es quand même face à une équipe, dans une équipe, en gros, où tu as quand même des joueurs qui sont là depuis longtemps, qui sont dans une dynamique où on parle de favoris à l'Euro. Le voir tout de suite propulsé au bout de 3 mois avec Manchester United ou 4 mois avec Manchester United titulaire, ça me dérange un peu plus, en fait. Okay. Même si encore une fois, il faut pas s'en priver. Si le mec est très très bon, si, mais bon, ça me dérange pas. Il est meilleur que les autres. Mais moi, je pense que dans le fait de d'avoir, tu vois, par exemple, Saka, il faisait sa première compétition à l'Euro. Ouais. Bellingham, sa première compétition à l'Euro. À la Coupe du Monde. Ils ont apporté à l'Angleterre. Ils ont été très bons. Saka est l'un des meilleurs contre l'équipe de France. Bellingham, la même chose. Mais je dis juste que. Je pense que ça a aussi la naïveté de cette équipe. Elle a aussi malheureusement été traduite par un peu trop de jeunesse et par le côté découverte de la compétition. Et moi, je me dis que si c'est que un joueur comme Kobbie Mainoo, c'est pas très très grave. Mais faut pas non plus que l'Angleterre marche à la hype du joueur. Okay. Faut qu'il y ait quand même des certitudes sur le... Rapidement, après on passe au Brésil. Je suis d'accord avec toi, mais justement, tu sais, un Bellingham, un Foden, un Saka, ça va être leur deuxième, voire troisième compétition. Justement, ce ne sont plus des jeunes, entre guillemets. Oui, très bien. Et c'est ce que j'ai perçu vraiment de Bellingham sur le dernier rassemblement. C'est que j'ai vraiment eu la sensation de ce côté... Foden, moi, j'y croyais énormément, tu veux que je te dise, à l'Euro. Il s'est totalement vautré, à l'Euro. Ouais, peut-être. Tu te rappelles c'était là où j'avais commencé, on est là pour t'accompagner, etc. Exactement. Il avait fait une fin de saison avec City, etc. Ouais. Oui, mais tu vois... Et le mec était arrivé avec une teinture. Mais il nous va être entouré. Il était déjà arrivé et tout, et il était passé complètement à côté. Et il est sorti du 11. Et, après, ils sont partis en finale. Mais tu vois, ce côté... Mais Saka, c'est un bon exemple, puisque donc, l'Euro, il est un peu plus timide. Coupe du Monde, il est... Même s'il monte en puissance pendant l'Euro. Oui, mais Coupe du Monde, il est beaucoup plus affirmé dans son statut. Il a beaucoup moins de... Mais tu vois, là où je te rejoins, c'est vrai que... Oui, Saka fait l'Euro. Mais c'est ce que tu as dit. Tu as dit Saka Euro et Bellingham Coupe du Monde. Il ne faudrait pas non plus, comme tu l'as dit, que genre Cole Palmer, tout d'un coup, soit titulaire indiscutable, Brentwaite soit titulaire indiscutable. J'aurais aimé les voir quand même, Palmer et Brentwaite, sur le dernier rassemblement. Ils n'ont pas du tout une minute. Notamment Cole Palmer qui... Tu sais, tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui me posait la question, est-ce que Meynoo, c'est le rookie de l'année ? Pour moi, ça joue un peu avec Palmer. Même si Palmer, on l'avait vu un peu avec City l'an passé, il n'avait pas eu beaucoup de temps de jeu. Cette année, quand même, ce que fait Palmer, c'est pas anodin, c'est pas un détail. C'est extraordinaire ce qu'il fait dans une équipe qui marche pas du tout. Donc j'aurais aimé le voir quand même sur le dernier rassemblement, là, Palmer, il n'a pas eu de minute. Mais là où je rejoins Walid, c'est vrai qu'effectivement, voilà, il faut quand même que tu aies un socle solide. J'ai annoncé tout à l'heure le 11. Le 11 que j'ai annoncé tout à l'heure, ce sera le 11, je pense, qui sera plus ou moins à l'Euro, avec donc les points d'interrogation au poste de milieu relayeur et de latéral gauche. Donc. Il y a une grosse équipe du côté de l'Angleterre. Moi, je pense que Meynoo sera titulaire et je pense qu'il peut vraiment être une des révélations de la compétition. Et je vois l'Angleterre aller très loin, si ce n'est gagner le titre. 96% des Winamis le voient à l'Euro. Kobbie Meynoo. On va parler du Brésil maintenant, qui était un des adversaires de l'Angleterre. C'était samedi dernier. Et on va parler du Brésil qui a même fait un bon match aussi en Espagne, tout de suite en place au terrain. Eh oui, parce qu'il est question de renouveau pour le Brésil, mine de rien, parce qu'on va rappeler tout l'imbroglio qu'il y avait eu avec la sélection, la vraie fausse arrivée de Carlo Ancelotti, l'intérimaire qui avait été mis pendant un an, qui s'appelait Diniz, qui était là et qui n'a pas eu de bons résultats. Finalement, Dorival Junior, ancien entraîneur de Sao Paulo, est arrivé en janvier et donc c'était son premier rassemblement dans lequel il avait pondu cette liste. Dorival Junior, je vous la montre si vous voulez. Une liste rajeunie,
où on retrouve des Yann Couteau, par exemple, de Gérone. On va trouver Savio aussi, de Gérone. On va trouver qui a en jeune toujours les Rodrigo, les Vinicius qui sont jeunes. Hendrick, forcément, qui est jeune aussi. Beraldo, qui était pour sa première sélection, qui connaissait aussi à Sao Paulo. Donc, on a un vrai nouveau départ pour cette sélection. João Gomes. Du Brésil, João Gomes et également de Wolverhampton. On a un vrai nouveau départ, Walid, pour cette sélection-là, sachant qu'il y a, il y a la Copa América cet été et il y a l'objectif Coupe du Monde 2026. Ils partent quand même de loin parce qu'ils étaient sur une dynamique vraiment très très compliquée, mais je pense que ce rassemblement leur a donné beaucoup de perspectives intéressantes. Et ils ont été compétitifs face à l'Angleterre et face à l'Espagne, même si bien évidemment tout n'est pas parfait, mais... Il y a de quoi, oui, repartir sur un nouveau départ et essayer d'aller chercher cette Copa América, ou en tout cas se rapprocher de la victoire. Parce que quand tu t'appelles le Brésil et que tu t'inscris dans une Copa América où il y a 10 sélections... Un peu plus, même. Parce que là, ils ont mis, comme la Copa América, les États-Unis, ils ont mis avec les États-Unis, le Canada, le Mexique, la Jamaïque... Okay, 13 ou 14, mais en tout cas... Costa Rica aussi. En tout cas tu dois d'être compétitif avec les joueurs que tu as. Mais oui, on l'attendait, même si il y a eu l'imbroglio autour de Carlo Ancelotti qui a trop duré. On attendait un sélectionneur et un nouveau départ pour le Brésil. On a le sentiment que ce rassemblement, en jouant l'Angleterre et l'Espagne, en offrant du spectacle, en concédant, mais aussi en mettant pas mal de buts, en étant compétitif face à deux belles équipes européennes qui seront dans les 5 favoris à la gagne de l'euro, que ça peut permettre à ce sélectionneur de repartir sur quelque chose d'autre. Ouais. C'était intéressant comme match face à l'Angleterre de la part des Brésiliens. On parlera d'Hendrick par la suite, mais c'était aussi intéressant de voir ce groupe brésilien. Alors, il y avait pas mal de joueurs de Première Ligue dans cette sélection-là, mais on a eu un rendu collectif qui était plutôt intéressant. Oui, un rendu collectif plutôt intéressant. Comme l'a dit Walid, c'est une nouvelle ère, une nouvelle page quand même qui s'ouvre du côté de cette équipe brésilienne. Elle a quand même un visage un peu différent avec beaucoup de nouveaux joueurs dans cette sélection. J'ai aimé plutôt ce qu'ils ont montré. Je trouve que ça reste quand même un peu léger sur le plan défensif au niveau des individualités. Pas forcément de ce qu'ils ont montré, mais sur les individualités. Bon, après, c'est normal, hein, quand tu passes de Thiago Silva, Marquinhos, Daniel Alves, Marcelo, il n'y a pas si longtemps, à Beraldo, Wendel, forcément, il faut se mouiller quand même un peu la nuque. Mais après, sinon, l'effectif a quand même fière allure. Enfin, je trouve qu'au milieu de terrain, Bruno Guimarães et Paqueta ont été intéressants, notamment face à l'Angleterre, notamment Paqueta, que j'ai trouvé très intéressant. Sur le plan offensif, tu peux quand même aligner Vinicius et Rodrigo qui font une grosse saison du côté du Real. T'en as parlé, les Savio, les Couteau, Douglas Luiz, João Gomes, ce sont des joueurs qui sont en forme dans leur club. Donc, il y a un nouveau socle, un nouveau coach, une nouvelle page. Donc à voir ce que ça va donner, il va y avoir déjà la Copa América qui va nous donner pas mal de réponses cet été. Pour moi, voilà, c'est pas l'équipe que je ressors en premier, je mets quand même l'Argentine, devant, mais je pense quand même que le Brésil, évidemment, a une carte à jouer. De toute façon, on sait qu'à la Copa América, généralement, ça se joue entre ces deux équipes. Mais justement, là... Même s'il ne faudra pas sous-estimer l'Uruguay. Est-ce que, justement, quand on voit le tableau de la Copa América de cette année, je vous montre aussi le bilan du Brésil là, sur l'année 2023 et où ils en sont. Dans le groupe de qualif, il y a 2 victoires, 3 défaites. Les 3 défaites étaient à la suite. Il y a eu 5 défaites en 9 matchs en 2023 pour le Brésil. Là, il y a ces 2 rencontres qui sont un peu plus satisfaisantes. Mais est-ce que, quand tu vois ce groupe-là, qui est un peu plus jeune, Walid, quand tu vois que dans cette Copa América, il y a l'Argentine qui est devant, il y a potentiellement l'Uruguay qui est en train de construire quelque chose avec Bielsa, ça sera aux États-Unis, donc il y aura les Américains, les Canadiens, les Mexicains, etc. Est-ce qu'il n'y a pas de quoi se dire, vous savez quoi, la Copa América, on part de trop loin? Et focus, objectif mondial 2026. De toute façon, l'objectif, ça reste bien évidemment que le mondial 2026 est hyper important. Quand on sait qu'ils sont 5e en qualification et qu'aujourd'hui... Non, mais après, la qualification, ça devrait le faire. Quoi. Oui, ça devrait le faire, mais oui, ça devrait le faire. Je crois que c'est 8 sur les 10. Hein. Mais c'est un objectif. C'est 8 sur les 10 ouais, bah, je oui. crois que c'est un truc dans genre... Enfin, il y a 7 plus un barrage, je crois. Ah, d'accord. Ah, oui, à partir du moment où tout le monde a récupéré ouais. deux places, le continent américain aussi. Mais oui, ça reste la priorité, ne pas voir le Brésil à la Coupe du Monde avec 8 places qualifiées. Moi, je partais plus vraiment sur la performance à la Coupe du Monde, quoi. Plus que j'ai pris pour acquis que c'était fait. Quoi. La performance à la Coupe du Monde, on est trop loin. Tu ne peux pas galvauder ou s'aborder
ou zapper une compétition comme la Copa América. Maintenant, j'attends de voir. Moi, je suis, c'est beaucoup trop flou. On ne peut pas avoir d'avis tranché. Sur les... Moi, en plus, je n'ai pas vu le Brésil avant ces matchs-là. Ça ne m'intéressait pas, vu le flou artistique qu'il y avait autour de cette sélection. Il y a des joueurs, oui. Maintenant, il faut voir ce qui va se passer. On jugera sur pièce. On ne va pas s'enflammer après, ni être dans la catastrophe après ces deux matchs-là. J'attends de voir. C'est... Maintenant, quand tu vois les joueurs qu'il y a, hein, Bruno Guimarães, un Paqueta, les mecs devant, des Vinicius, des Rodrigo. Derrière, tu peux quand même... tu as Gabriel d'Arsenal, tu peux avoir un Beraldo qui prend une nouvelle dimension. Tu as des très bons gardiens. On ne va pas faire découvrir le Brésil aux gens. Oui, même si l'Argentine reste l'Argentine, même si l'Uruguay fait de très belles choses avec Bielsa, tu dois être un contender. Maintenant, il faut le prouver sur le terrain et on verra ce qui se passera. Il y a 10 équipes, c'est 6 qualifiés automatiques et le 7e qui va jouer un barrage. Ça va, t'as de la marque. Il y a 10 équipes. Dans les 10 équipes, il y a la Bolivie, il y a le Paraguay, il y a Chili-Pérou qui peuvent être potentiellement moins forts, il y a Venezuela... Équateur, tout ça, c'est normalement... Après, il va voir le Brésil. Sans faire tranquille. Voir le Brésil 5e, c'est déjà... Mais là, ils sont 6e. Tu sais, la Copa América, il y a quand même moins de densité qu'à l'Euro. Donc, on a déjà vu des équipes brésiliennes. Il y a plus de densité. Parce qu'il y a moins de pays, mais c'est plus resserré, quoi. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'on a déjà vu des équipes brésiliennes moyennes remporter la Copa América. Oui, c'est vrai. Parce que, voilà, autant vers 2016, tu sais, quand tu avais une grosse équipe de Colombie, une grosse équipe d'Uruguay, une grosse équipe du Chili, c'était un peu compliqué d'aller remporter la Copa América. Là, tu as pas mal de sélections qui sont un peu dans un creux. La Colombie, même s'ils ont gagné contre l'Espagne, ils sont quand même dans un creux, ils n'ont pas joué la dernière Coupe du Monde. Je pense que quand même, il y a une place à aller chercher. Et même si le Brésil est en reconstruction, ils peuvent aller la chercher, cette Copa América. Je vous donne le groupe du Brésil en Copa América: Paraguay, Colombie, Costa Rica, avec le Brésil. Pas mal, hein? Colombie, Costa Rica et Paraguay. Paraguay, c'est un peu moins. Si on passe à Hendrik. Hendrik, qui a donc 17 ans encore, actuellement. C'était ses deux premiers matchs en Europe, à Hendrik, puisqu'il rejoindra le Real Madrid. Je vous ai mis ses stats. Il les rejoindra le 21 juillet prochain, parce que c'est le jour de son anniversaire. Il aura 18 ans le 21 juillet prochain. L'année dernière, il a joué 40 matchs avec Palmeiras. Il a mis 12 buts, 11 en championnat. Et là, deux matchs, but contre l'Angleterre, but contre l'Espagne. Le but contre l'Espagne, il est quand même plutôt pas mal. Il est pas mal. Bien. Il t'a impressionné? Est-ce que tu t'attendais un peu à ça? Enfin, est-ce que tu avais déjà vu des vidéos d'Hendrik avant? Parce que j'imagine que tu ne regardais pas les matchs de Palmeiras. Mais est-ce que tu avais déjà vu des vidéos et tu as été plutôt bluffé par ce que tu as pu voir? On a vu quelques vidéos passer, mais pas grand-chose. Hein, pas de quoi juger. On ne le connaissait pas, Hendrik. Donc on l'a un petit peu découvert là sur ce rassemblement-là. Encore, il n'a pas eu énormément de temps de jeu. Il est rentré sur les deux matchs. Moi, voilà ce que je retiens surtout, c'est l'histoire, en fait, l'histoire qu'il a racontée. C'est-à-dire que, tu sais, j'ai eu la sensation un peu, tu sais, comme Wemby l'année dernière, quand il est venu aux États-Unis. Là, tu dois m'aider, Romain. Tu sais, quand il est venu, Wemby, aux États-Unis, il a joué contre fond. C'était pour le G-Elite, là, à Vegas, là. Exactement. Avec Boulogne, le Valois. Voilà. Ouais. Il m'a donné cette sensation-là, un peu, Hendrik, tu sais. Genre, le Brésilien qui va jouer en Europe. On sait qu'il va bientôt rejoindre le Real Madrid. On sait que c'est un immense crack. Voilà, il est très attendu et il répond aux attentes. Wemby avait répondu aussi aux attentes. Il a fait deux matchs de fou. Bah, pareil pour Hendrik, il a répondu aux attentes. Il a marqué sur le premier match à Wembley contre l'Angleterre, alors qu'il venait tout juste de rentrer en jeu. Deuxième match, il rentre, il marque à Bernabeu, sa prochaine maison. il marque comme ça contre l'Espagne. Deux buts en 4 sélections, 0 titularisation. Quand même, ça te frappe. Donc moi, voilà, c'est surtout l'histoire que je retiens. J'ai pas encore assez vu pour véritablement juger ses qualités, pour véritablement juger son profil. Je sais pas encore véritablement quelle sera sa trajectoire. Mais pour le moment, en tout cas, le début d'histoire qu'il nous raconte, je trouve ça fou, parce qu'il a remporté deux fois le championnat avec Palmeiras au Brésil, alors qu'il a que 17 ans. Là, son transfert, il a acté au Real Madrid. Il a deux buts en 4 sélections avec le Brésil. Il va rejoindre le Real Madrid. Et puis en plus, mine de rien, il a du charisme. Il dégage quand même quelque chose. Tu vois, il dégage ce côté un peu crack, même, tu sais, sa manière de célébrer. Bon, il joue un petit peu, il vit un peu pour les caméras, faut le dire un peu. Ouais, mais ça va avec. Hein. ça va avec. Mais je trouve que voilà, il nous raconte une histoire. Moi, pour le moment, je suis dedans, j'ai envie de voir. J'ai pas d'avis, mais en tout cas, je suis hypé. Ouais. Il y a ce côté marqueur de grand rendez-vous déjà, là, ou pas?
Ouais. Le fait que c'est pas anodin, tu vas à Wembley, tu vas à Santiago Bernabéu, tu arrives à scorer, tu as 17 piges, c'est pas mal quand même. Oui, c'est bien sûr, c'est génial. De toute façon, je vais pas paraphraser ce qu'il vient de dire Najim. Oui, il arrive en Europe et il marque deux buts importants dans deux stades mythiques. Donc oui, bien évidemment, après moi, je vais quand même attendre. Je vais attendre un peu plus de biscuits pour me faire un avis. Sur Hendrick, j'ai pas pu le voir malheureusement au Brésil. On a vu quelques vidéos, mais j'ai pas pu me faire un vrai avis. Là, on l'a vu, j'ai vu des belles choses, des moins bonnes choses, des choses qui m'ont plu, des choses qui m'ont moins plu. Mais je vais attendre de voir son arrivée au Real. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, un peu comme ses compatriotes Vinicius et Rodrigo, je pense que ça va se faire aussi petit à petit et qu'on va... Faudra être patient, ça c'est voilà, sûr. On va être patient. Parce que ça a marché pour Vinicius et Rodrigo, mais on peut pas... Enfin, il ne faut pas oublier, par exemple, Reiner qui était acheté 35 millions aussi, qui est arrivé. Ça a marché en prenant du temps, Vinicius. Rappelez-vous quand même les deux premières saisons de Vinicius. Il a souvent été critiqué, souvent pointé du doigt, notamment pour son inefficacité devant le but. Donc pareil, en fait, il faudrait être patient avec Hendrick. Moi, je ne m'attends pas à ce qu'Hendrick, dès l'année prochaine, soit titulaire avec le Real Madrid et qu'il explose tout. C'est pas le projet. Je m'attends à ce qu'il soit dans la rotation, qu'il rentre de temps en temps, pourquoi pas qu'il essaye d'approcher des 10 buts toutes compétitions confondues, ce serait déjà une très grosse performance de sa part. Que là, c'est encore très brut. Voilà, j'attends techniquement, qu'il... Techniquement, on le dit, on dirait un joueur des années 50, c'est le maillot dans le short, ça. Oui, au-delà de ça. Même si au niveau du visage, etc., un peu ça coupe, c'est vrai que je me suis fait la réflexion aussi. Je trouve qu'athlétiquement, voilà, c'est un bison qui va à 10 000. Il est déjà tanké. Il est tanké. Les mollets qu'il a. Il y a un truc... Il y a un truc assez athlétique qui est assez impressionnant. Maintenant, dans le rapport au ballon, je trouve que... Mais après, j'ai besoin d'avoir... J'ai besoin d'avoir un peu plus de biscuits. Mais de ce qu'on lit aussi, c'est pas le joueur fantasque qui était Neymar, par exemple, tu vois. Ah non, Neymar, ça n'a rien à voir. Voilà, ça n'a rien à voir. Tu vois, Neymar, il avait ce côté très fantasque, très samba, qui faisait qu'on était forcément tous émerveillés. Lui, il n'a pas ce côté-là. Mais par contre, c'est un joueur des années 2024. C'est-à-dire un joueur athlétique, enfin, de ce que j'ai pu lire. Hein. Ça a l'air d'être un joueur athlétique qui est capable de prendre la profondeur, qui est capable de participer au jeu, qui a peut-être un profil un petit peu plus complet, mais moins fantasque que pouvait l'être Neymar. En tout cas, pour le moment, c'est l'image que j'ai d'Hendrick. On aura, je pense, plus d'éléments l'année prochaine qu'on le verra un peu plus sous le maillot du Real. Et on verra. Il y aura le duel à distance entre les deux jeunes Brésiliens, Vitor Roque pour le Barça et Hendrick. Déjà, là, le clin d'œil, c'était intéressant quand même d'avoir Yamal d'un côté et Hendrick de l'autre. Parce que Yamal, par contre, lui, il a été monstrueux. Hein. Il a fait un sacré match. Hein. Voilà. Ah, il a été très mais Hendrick, il est vu à côté de Yamal. C'est ça. Il est un peu vu. Voilà pour Hendrick et pour le Brésil. Je pense qu'on a été complet. C'était pas mal comme émission. C'était bien. Moi, j'ai bien aimé. Ouais. Parce que Walid, il se foutait de ma gueule pour le conduit. Mais c'était pas mal. Non, c'était bien. Hein. Non ? Oh non, c'était bien. Ouais, c'est bien. C'est bien. C'était cool. Merci à tous les Winamis d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus, ça nous aide énormément. N'hésitez pas à nous mettre des petits likes, surtout ceux qui sont là et qui regardent souvent. Si vous aimez bien ces genres d'émissions où on parle un peu des équipes dont on n'a pas l'habitude de parler, bah, n'hésitez pas à nous le rendre en nous mettant des likes. Et ça nous permettra de parler... avant l'Euro, de parler du Portugal, de l'Espagne. Là, on a parlé de l'Allemagne parce qu'on les a joués. La Belgique, voilà. Là, on a fait l'Angleterre, l'Italie, etc. Donc, ça nous permettra de revenir sur ces nations-là. Merci, Najim. Merci à toi. Merci Walid. Merci Arthur et David qui étaient en régie. Merci à vous, les Winamis. Et puis, on va se donner rendez-vous demain. Demain, il y a un petit derby du Nord. Il y a Lille-Lens. Ah oui, le soir. Oui. Ben, c'est vrai. Le soir, mine de rien. Plutôt cool, Lille-Lens. Sympa. Hein. Voilà, on va voir ça avant un week-end, sachant que lundi, c'est férié. Ça peut être un week-end sympa pour tout le monde, avec les gros chocs en Angleterre, le Classico en France. Il y a quand même un Retafe et Gérone, donc ça va être bien. Bayern Dortmund aussi, je crois. Bayern Dortmund. Samedi. Oui, il y a un petit classiqueur. Ça va être beau. On verra ça ce week-end. Allez, bonne journée à tous et à demain dans WFC. Ciao tout le monde. Ciao.